Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Voilà, donc là, ce qui vient de se passer, c'est le Paris Saint-Germain qui vient de fracasser Nantes 4 buts à 0. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Là, il y avait un match de foot. Tu penses que c'était un match de basket? Non. Tu vois, un match de basket qui va en 4 points. Non, pas du tout. Là, c'était un match de foot. 4 buts. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Ramos a marqué. Le gars qui a fait même pas 4 matchs l'année dernière, là, il vient cette saison et il commence à marquer des buts. Nous, ça fait que le bonheur des supporters du Paris Saint-Germain. Neymar qui commence à mettre des coups francs. Lui qui a dit que maintenant, dans cette saison, chaque frappe qu'il va mettre, ça va rentrer. Le mec, il nous met un penalty au ralenti. Tu entends ce que je te dis? Le gars a tiré tout doucement. Le gardien était complètement pétrifié. Tu vois ce que je veux dire? Il était complètement assis sur ses fesses. Il pouvait plus bouger. Le ballon est rentré tout doucement dans les cages. Même le ballon a fait un petit clin d'œil au gardien. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Et avant ça, il lui met un coup franc en pleine lucarne. Neymar, tu te rappelles du coup franc qui nous a mis pendant la remontada? Là, il commence à retirer comme ça. La violence, hein? Tout le monde a critiqué Neymar. Ouais, il a grossi. Ouais, il n'arrête pas d'aller en soirée. Non, non, non. Regarde ce qu'il fait. Voilà. Maintenant qu'il s'est détendu, qu'il a fait le roi. Là, maintenant, il veut reprendre le trône, reprendre ce qui est à lui, redonner ce qui est à Neymar. Les gens, ils disent, ouais, ce qui est à César reste à César. C'est pas faux, c'est pas vrai, hein. On dit ce qui est à Neymar reste à Neymar. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? César, c'est un bambin. Regarde ce que Neymar, il est en train de faire, hein. Il est en train de revigorer Lionel Messi. Lionel Messi, il met des buts maintenant. À tout va. Lionel Messi, il nous fait repenser à l'époque du FC Barcelone. Tu te rends compte? Bon, il a loupé quelques petites actions. On voit quand même que, voilà, il y a quelques petits trucs à revoir en termes de finition, mais on va pas se mentir. Nous sommes très contents de voir Messi qui prend ses marques et qui commence à marquer et qui commence à montrer pourquoi il a eu ses 7 ballons d'or. Parce que non, on ne va pas douter de ses 7 ballons d'or, même si le 7e, on va pas se mentir. Mais bon, il l'a eu avec le Paris Saint-Germain. Nous, on est contents. Là, ce qu'on vient de voir, hein, c'est un aperçu de ce qui va se passer pendant tout le championnat de la Ligue. Sachez, club français, que vous allez subir. Vous allez souffrir. Quand on dit la bête a souffert, tu sais qu'on ne parle pas que des habits, hein, on parle aussi de la Liga. Vous allez souffrir d'une telle manière. Lionel Messi qui a le ballon, qui donne à Mbappé. Mbappé qui garde le ballon, qui met une pleine lucarne. Vous allez faire votre engagement. Neymar, il va prendre le ballon. Il va dribbler tout le monde. Il va même dribbler vos supporters. Tu te rends compte? Hein? Il va rentrer avec le ballon dans le stade. Il va aller sur les tribunes. Il va dire, venez. Il va tout dribbler. Dribbler tout le monde. Hein? T'as vu le milieu absolument magnifique qui est en train de se former au Paris Saint-Germain? Tu vois cette charnière défensive impénétrable par les joueurs de Nantes? Hein? Ils ont réussi à rien faire, quelques petites frappes par-ci par-là, mais tu penses que quoi? Que notre gardien c'est un bambin? Hein? Là, on a acheté des psychologues, hein? C'est terminé, on va plus rigoler avec vous. Tu entends ce que je te dis? Là, il y a des psychologues qui sont au Paris Saint-Germain. Donc tout ce qui est traumatisme de remontada ou de je sais pas quoi de l'Espagne, c'est terminé. On va arriver chez vous. Oh là là, je sais pas de qui je parle, hein? Mais sachez que les joueurs de la Ligue 1, vous allez souffrir. Oh là là!